Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Nous allons être en direct durant toute la durée de la fête de l'humanité. Je vous annonce le programme du jour de ce vendredi 11 septembre. À partir de 15h30, Mourad Lafitte et Laurence Garznia seront avec nous. Ils sont tous les deux réalisateurs d'un film qui sort très très bientôt au cinéma et qui sera diffusé en avant-première à cette fête de l'humanité. Ce film s'appelle « Une jeunesse parisienne en résistance ». Il est construit autour de la figure d'Henri Krasucki, mais aussi de tous ses amis qui étaient des jeunes gens à l'époque, des jeunes gens engagés ou qui se sont engagés, des lycéens, dont Julien Lauprêtre qui est aujourd'hui président du Secours Populaire Français. Beaucoup de belles figures. Nous sommes, alors je vous le dis, on est sous une tente derrière l'agora de la fête de l'humanité. J'ai le plaisir d'avoir maintenant autour de cette table deux invités. Laurence Garznia, bonjour. Bonjour. Et Mourad Lafitte, bonjour. Je ne sais pas si on vous a entendu dire bonjour. Laurence, recommencez. Voilà. Bonjour Eugénie. Voilà. Donc vous êtes tous les deux réalisateurs d'un film qui est projeté d'ailleurs sur la fête de l'humanité. Vous nous direz où tout à l'heure. Ça s'appelle « Une jeunesse parisienne en résistance ». Un film un peu construit autour de la figure d'Henri Krasucki, mais pas que. Et le titre de ce film est très important parce que chaque mot a son importance. Jeunesse, parce que ce sont des gamins, ils ont 15 ans. Parisienne, parce que ce sont des Parisiens, des petits Français d'un quartier populaire, même si pour la plupart ils sont d'origine étrangère. Mais l'aspect français, se sentir français, se sentir appartenir à ce pays est très important. Et résistance, bien sûr, parce qu'ils vont tous s'engager. Je le disais tout à l'heure en parlant avec Valère Starazelski, au départ, comme les gamins qu'ils sont, presque en faisant des blagues. Hein. C'est presque des blagues qu'ils font aux Allemands. Et puis, bah, ils vont devenir engagés dans la résistance, quitte pour certains à en perdre la vie, bien sûr. Alors, ce travail est la suite de votre engagement, à vous deux aussi, hein, Laurence et Mourad, puisque vous aviez déjà fait un film autour de l'affiche rouge, autour de Manoukian. Et c'est un peu la suite logique. Vous avez eu envie de faire témoigner les plus jeunes, ceux que vous avez rencontrés au moment de faire ce précédent film, c'est bien ça? C'est ça, c'est-à-dire que dans le premier documentaire qu'on avait réalisé. Henri Krasucki a très bien connu Marcel Reimann et son frère à la Cité des immeubles industriels. Raymond Kojitski et Paulette Sarcé, qui sont dans ce film. Ah, Paulette Sarcé, je l'adore. Là, voilà, j'ai eu un coup de cœur en la voyant, cette femme. Ont eu également les frères Reimann dans leur groupe. Donc, ils sont tous. Il y a vraiment un lien avec l'affiche rouge, hein, indéniablement. Et alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement touché? C'est ce que je disais tout à l'heure, le côté jeune frondeur, en fait. Bon, frondeur prend un autre sens aujourd'hui, mais c'est vrai, ils sont lycéens à l'époque. Hein, ils sont militants dans l'âme parce qu'ils ont tous eu des parents politisés. C'est des fils d'ouvriers étrangers, des gens qui ont dû se battre. Enfants du Front populaire. Voilà. De la guerre d'Espagne. Ouais. Mais pour eux, faire quelque chose, ça revient dans la bouche de chacun, c'est faire quelque chose. Même si c'est pas grand-chose au départ, c'est faire quelque chose. Alors, quand vous nous posez la question de savoir ce qui nous a touché, c'est un petit peu difficile de répondre parce qu'il y a énormément de choses qui nous touchent. Mais effectivement, avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre là, maintenant, au mois de septembre 2015, je crois que ce qui nous a touché, c'est l'engagement de jeunes gens, parce qu'effectivement, la plupart avaient entre 15 et 20 ans. Donc, ce sont de très jeunes gens. Étrangers, ça c'est important de le rappeler, je crois. Même si on l'écoutera dans un extrait tout à l'heure, ça leur plairait pas qu'on dise d'eux qu'ils étaient des étrangers. Absolument, hein. Mais néanmoins, c'est-à-dire dans cette patrie qui les avait accueillis, c'est cet engagement. Et en effet, pour la plupart d'entre eux, leurs parents étaient engagés politiquement, syndicalement. Mais ce qui est important, et c'est ça qui peut-être fait sens aujourd'hui dans le travail que l'on fait et dans ce documentaire, c'est de rappeler que leur construction politique s'est faite aussi à travers la question des patronages, la Bellevilloise, dont il est question énormément, c'est-à-dire à travers des groupes, ce qu'on appelait à l'époque des colos, hein, finalement des regroupements de jeunes, comment cette conscience politique est née et qui a fait que en 39-40, pour eux, les choses étaient évidentes, même si en effet, avant de s'organiser, eh bien, effectivement, ils ont tenté des choses qui peuvent aujourd'hui ressembler à des blagounettes. Pouvaient d'ores et déjà être lourdes de conséquences. Ah, bien sûr, voilà. Je pense qu'heureusement, ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils faisaient. Je crois que c'est ce qui ressort de ce film quand on raconte que voilà, l'enjeu, c'était de donner des fausses indications aux soldats allemands qui demandaient leur chemin, de retourner les panneaux indicateurs, jusqu'à des
des choses comme d'organiser des manifestations, c'est-à-dire avec juste un drapeau bleu, blanc, rouge. Et ça, bah, ils risquaient la mort. Et pour l'exemple, certains ont été fusillés. Bien sûr. Ça a été, je pense que c'est conscience du danger qu'on pouvait avoir en allant manifester, parce que pour eux, la France, c'était le pays des droits de l'homme. Et il n'était pas question qu'il ne soit pas possible d'aller manifester en France. Et dans cette jeunesse, certains auront des destins par la suite pour ceux qui ont survécu. Henri Krasucki, on connaît son parcours, membre du comité central. Donc, il a un parcours politique, il a également un parcours syndical. Bien on sûr. On n'oublie pas Henri Krasucki, le syndicaliste. Julien Lauprêtre, lui, va s'engager au Secours Populaire. 70 ans, il y est toujours. On prend Paulette Sarcé, elle est toujours militante à l'UGRE. Et d'autres, hein, ils ont toujours gardé cette fibre militante. Moi, je reviendrai sur cette notion de ne pas avoir conscience. Et j'avais presque envie de le nuancer malgré tout. C'est-à-dire, oui, effectivement, pour certains d'entre eux, ils n'avaient pas conscience des choses. Mais j'ai envie d'être plus positive en disant, quoi qu'il advienne, il y avait surtout cette idée qu'il n'y aurait pas de renoncement. Quoi qu'il advienne, parce que malgré tout, et c'est Paulette Sarcé qui en témoigne assez bien dans le film, quand elle dit, parce que elle étant elle-même polonaise, avait encore des liens avec une part d'amis ou de la famille en Pologne, et elle savait déjà ce qu'était le régime fasciste et nazi. Donc elle le dit d'ailleurs, quand les Allemands arrivent à Paris, elle a peur. Elle le dit parce qu'elle comprend ce que ça signifie. Donc les premières actions qui sont menées, dont la question des manifestations, je pense que s'ils ne mesuraient pas encore totalement ce que Vichy, parce que là en l'occurrence il était question de Vichy, ce qui est le plus important, c'est que quoi qu'il advienne, il n'y aurait pas de renoncement de leur part. Et c'est ça qui est magnifique, et c'est le message qu'on a envie de véhiculer aujourd'hui. Oui. Ils n'ont pas renoncé, je dirais, pendant toute la période de l'occupation, jusqu'à la libération. On a retrouvé un exemplaire de l'UMA, un UMA clandestin écrit dans le camp de Buchenwald. Oui, c'est extraordinaire. Justement, voilà. Un humanité clandestin écrit dans un camp de concentration. Mais c'est ça qui est de concentration très et d'extermination. C'est ça qui est très important dans votre film, parce qu'on voit que malgré tout, dans ces camps où, alors Paulette Sarcé le raconte très bien, bah, c'est des témoignages qu'on a mille fois entendus, mais à chaque fois qu'on les entend, ils sont les mêmes et différents. C'est à la fois singulier et à chaque fois, ils confortent cette réalité de inhumaine, quoi. Voilà, c'est voilà, la crasse, l'humiliation permanente, les tortures physiques, voilà, l'épuisement des corps volontaires. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'odieux et d'horrible. Et malgré tout, on voit qu'il y avait quand même une résistance organisée au sein des camps. Au sein des camps, mais également en prison. Alors, dans le film, bien entendu, on en parle, mais dans la prison de Fresnes, Henri Krasucki veut organiser une manifestation dans la prison. Pour le 1er mai. Le 1er mai. Idem. Alors, ça ne figure malheureusement pas dans le film, parce qu'il fait 1h30 et qu'il a fallu malheureusement faire des choix cornéliens pour nous. Mais ils sont au camp de Drancy. Ils vont être déportés 2 jours plus tard. Henri Krasucki, à Drancy, veut lancer... C'est pour le 1er mai, il me semble. Alors, à Drancy, c'est la veille de leur départ en déportation. Alors, pour ce qui est de ce que tu parles, Mourad, Henri Krasucki, alors qu'il est revenu à Drancy après avoir été mis à l'isolement et torturé, à l'isolement en prison à Fresnes, rejoint donc ses camarades à Drancy. Et la veille de leur déportation, eh bien, Henri, après tout ce qu'il a déjà vécu, organise une sorte de manifestation. Où il va chanter l'International, la Marseillaise, etc. Il va rendre dingue, si j'ose dire, les gardiens du camp. Mais la veille de ce départ en déportation, alors qu'ils ne savent pas encore ce qui les attend, ils ne mesurent pas encore, là, pour le coup, ce qui les attend, eh bien, même à Drancy, il réussit à organiser une forme de manifestation. Voilà, et ce qu'il dit, c'est que c'est pas possible que ça n'ait pas lieu. Enfin, c'est juste pas possible qu'il n'y ait rien pour ce jour-là. Et il dit, je vais pousser mon cri, je m'en fous, je dirai 3 mesures de l'international, et ce sera repris. Absolument. C'est l'idée de la transmission, qui est ancrée dans dans la tête de ce bonhomme. On va entendre justement la voix de ce bonhomme, de ce fameux bonhomme, à travers un extrait assez court qui relate certains passages de votre film. Je suis d'une famille d'ouvriers immigrés, j'aurai l'occasion d'y revenir, je pense, d'ouvriers immigrés installés dans un quartier populaire de Paris. Et eux-mêmes, connaissant la vie de l'exil, les conditions difficiles
Vous savez, les histoires de papiers, de permis, de séjour et autres. Oui. Ou de naturalisation refusée. Ça me fait penser, quand je vois certains des phénomènes contemporains, je pense à ces expériences-là. Mes parents étaient des gens honnêtes, travailleurs, d'esprit avancé, progressiste, syndicaliste et communiste de conviction, attaché à la France. Comme disait Henri Krasucki, nous étions des bambins, soit arrivés de l'étranger ou nés en France, mais nous étions déjà tous des petits Français. L'école, c'était important. Il fallait faire ça avec rigueur. Je pense que mon père avait bien compris le message et puis ça lui plaisait. Puis il y avait une fierté. Il avait été heureux, mais à la fois un petit peu vexé, parce qu'à un moment donné, le maître avait dit, mon père avait particulièrement bien réussi un devoir, peut-être un peu mieux que les autres enfants, et avait dit, regardez, c'est le petit Polonais qui a mieux réussi. Et mon père, quelque part, il ne voulait pas être le petit Polonais. Lui, il était arrivé à 4 ans, il n'était pas le petit Polonais, il ne voulait pas que ça... Voilà, il était né quelque part, mais il n'était pas... il était français, de Belleville. Il l'a revendiqué toute sa vie. Je suis un ouvrier parisien d'origine juive polonaise, mais pas le petit Polonais. Mais en même temps, il y avait la fierté aussi d'avoir été premier de la classe. Il était content. J'ai été arrêté le 23 mars 1943 et jusqu'au 22 juin, date à laquelle on est venu me sortir sans avoir été jugé pour m'emmener au camp de Drancy. J'étais vivant, j'avais 20 ans, j'avais envie de vivre, naturellement. La déportation n'a fait que renforcer ma volonté à la lutte pour la liberté, contre les injustices, contre toute injustice, pour que le monde soit meilleur. Ça m'a rendu, si vous voulez, plus compréhensif à l'égard des problèmes de la vie et à l'égard des problèmes de l'être humain. Commence, dans la société française, une interrogation sur la place que ces étrangers et ces immigrés qui avaient choisi, qui avaient adopté la France et qui ont accepté de mourir pour elle parce qu'ils aimaient la vie et ils aimaient cette France dont les valeurs sont liberté, égalité, fraternité, nous interroge sur ce qu'est l'identité française. Voilà, ce film qui nous interroge sur l'identité française. Ce film, c'est le vôtre, Laurence Cartnia et Mourad Lafitte. Donc, ça s'appelle Une jeunesse parisienne en résistance. Il est diffusé quelque part durant la fête de l'humanité ? Alors, ce soir, dans le cadre d'un débat sur la libération au village du Fivre, à 19h. Donc, à 19h ce vendredi. Un extrait seulement sera projeté parce que c'est toujours très compliqué de projeter un film de 90 minutes dans le cadre de la fête. Oui, mais d'autres rendez-vous sont prévus et j'invite tous nos auditeurs à venir se renseigner sur le site d'Images Contemporaines donc, qui a produit ce film. Images au pluriel -contemporaines, donc pluriel .com. Et là, vous avez une rubrique Nos rendez-vous et donc ça vous permettra de savoir où sont les prochains rendez-vous. Et voilà, vous dites rendez-vous et c'est le mot juste parce que vous l'accompagnez ce film en toujours, fait. Toujours, enfin autant que faire voilà, se peut. Voilà, et parfois avec des protagonistes. Absolument, quand Julien Lauprêtre, quand Pierre Krasucki, quand Françoise Krasucki. Voilà, qu'on a entendu parler de son père avec tout c'était très émouvant. Absolument. Enfin, cette anecdote qu'elle raconte avec vraiment beaucoup de souvenirs et d'émotions, et bien c'est très touchant parce que ça dit tout en fait, à travers un mot, le petit Polonais. Il voulait pas qu'on l'appelle le petit c'est Polonais. Pas le petit Polonais. Ouais. Alors ce film sort en DVD, mais il va être programmé dans quelques cinémas à réessayer. Il y a également dans le cadre des 120 ans de la CGT quelques sections qui ont pris le film du moins.
Mais par contre, il peut y avoir aussi des diffusions militantes, des sections politiques, des sections syndicales, des associations, qui n'hésitent pas à faire des projections. C'est un film qui est vraiment d'actualité, qui questionne, qui n'est pas uniquement sur cette carte postale, c'était mieux avant. Ce film interroge aujourd'hui. Non, mais c'était mieux avant, et puis c'est un film sur la jeunesse. Et voilà. Moi, quand j'ai vu à l'image Paulette Sarcey, d'ailleurs, vous avez des images d'archives, je me dis qu'elle a, elle a pas tellement changé. Voilà, on garde, voilà, on la reconnaît, et elle est d'une jeunesse incroyable, cette fille. Mais je peux pas dire cette dame, c'est cette fille. Ça, absolument. Et pour tout dire, Paulette, que nous avons eu au téléphone il y a 3 jours, je crois. Et j'espère qu'elle nous écoute. Hein. On la salue, on l'embrasse. Absolument. Était saisissante par rapport au regard qu'elle porte sur l'actualité du moment. Et je veux dire que moi-même, bien que co-réalisatrice de ce film, donc que je connais, j'allais dire, par cœur, en réécoutant l'extrait que vous avez sélectionné, ça, j'ai froid dans le dos par rapport à l'écho que ça a là, maintenant, tout de suite, sur ces questions d'émigration, d'accueil, sur cette jeunesse, sur les questions de la culture, de l'école, de l'éducation. Et à ceux qui pourraient considérer que c'est un film du passé, non, absolument pas. Je crois au contraire qu'il est grand temps d'interroger notre présent à travers le prisme de ce passé, parce qu'il nous dit et il nous enseigne énormément de choses. Juste encore une raison supplémentaire d'aller voir ce film. Quand on l'a tourné donc, il y a 3 ans, on s'était posé la question à propos d'un rush. Henri Krasucki avait donné un très long interview, très intéressant. Et il parle de la demande d'asile et il fait le parallèle à son histoire personnelle et à sa famille dans les années 20. On s'est interrogé, est-ce qu'on le met au début, est-ce qu'on le met, on ne le met pas. Ce rush a été tourné il y a plus de 15 ans, c'est-à-dire que ça met ce tournage à 20 ans. On réécoute ces 45 secondes qui sont au début du film en 2015. Qu'on a entendu là. C'est d'actualité. Et voilà, ça pourrait être tourné hier. Ça aurait pu être tourné hier, et malheureusement Henri est parti il y a quelques années. Voilà, si on impose l'accueil comme quelque chose de logique, de normal, on laisse la place à l'ouverture de nos cœurs et à l'ouverture et à l'expression l'accueil d'autres comme idées. La normalité. Voilà, c'est ça. Et donc la parole politique a à faire. Absolument. Là. Et le courage, c'est de ne pas prêter à ses concitoyens des idées plus noires qu'elles ne le sont. Ou plus bleu marine qu'elles ne le sont. Pareil pour ces gens dont vous parlez dans le film. Donc quand on parle de tout ça, on parle de ces gens-là. Et ces gens-là sont au cœur de la fête. Voilà, aussi bien les résistants que tellement les... au cœur de la fête que c'est peut-être rappeler tout simplement qu'il y a ici même une rue Henri Krasucki. Voilà. Et ben voilà, voilà. Alors, est-ce que le fils de Pierre Krasucki sera là également ? Il est là. Alors, Pierre sera là ce soir à 19h. Et je pense qu'il nous rejoindra également à d'autres moments, peut-être à l'occasion d'un autre direct radio dimanche là-bas, si j'y suis, à 17h. On n'en veut pas, Daniel Mamet, nous faire de la concurrence. Alors, c'est ce qu'on aime bien. Ce soir, c'est aussi, en parle, également en présence de Christian Langeois, qui a fait un ouvrage remarquable, 2 livres. Un, c'est Les Mineurs de Charbon, donc dans les camps. Et il a fait également une biographie d'Henri Krasucki qui est, admirable, c'est la référence. Oui. Et Christian est d'ailleurs dans le film. Soutenez le film, soutenez le livre. Et c'est une culture dont on a besoin en ce moment. Et qui est la nôtre. Et j'ajouterais juste aussi une chose, parce qu'on a évoqué Julien Lepraître tout à l'heure, qui est évidemment présent ici même avec le Secours Populaire. Et qu'on voit d'ailleurs à l'image, qu'on ait d'image sur le site internet, il y a une petite photo de vous deux avec Julien Lepraître. Qui est présent dans le film et qui interviendra dimanche sur la grande scène, je crois à 15h, et qui évoquera en 2015, aujourd'hui, la problématique justement de ces accueils de migrants. Merci beaucoup à vous deux. Merci Eugénie. Merci Morane, merci Laurence. On se quitte avec Léo Ferré, évidemment. On ne pouvait pas. Voilà, vous avez deviné, c'est l'affiche rouge.